bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de mai 2022. J'ai pas l'habitude de faire des piles à lire mensuelles. En fait, j'ai perdu l'habitude l'an dernier, c'est fin 2020, 2021, j'en faisais sur Instagram. Puis c'est pas un concept qui me va bien à chaque mois. J'ai l'impression que ça me met de la pression, faut que je lise ça absolument parce que je l'ai annoncé. Donc, c'est plus un concept que je fais, mais pour le mois de mai, ça me tente de faire différent. Une fois de temps en temps, c'est quand même agréable. Et aussi, c'est que depuis 2 ans, le mois de mai, je le consacre... je le consacre à la bande dessinée en raison du Festival de la BD de Montréal. Je suis jamais allée à ce festival-là, fait que je sais pas trop pourquoi ça influence autant mes lectures, mais en fait, c'est que la bande dessinée, c'est vraiment un format de livre que j'apprécie énormément, puis j'aime ça me consacrer dans un mois à ce style et en découvrir de toutes sortes d'univers, d'auteurs, de dessins. Et ben c'est ça, je trouvais ça le fun de faire ça en mai, surtout que je vais avoir passé le mois d'avril sur la même lecture. Je vous en reparlerai dans mon point lecture, mais je trouvais ça le fun que ça fasse un peu un contraste, puis qu'au mois de mai, ça soit plein de courtes lectures faciles, de bandes dessinées, contrairement à comme une grosse lecture ardue tout le mois d'avril. Donc voilà le pourquoi du comment de pourquoi il y a une vidéo. Sans plus attendre, on va commencer avec mes envies littéraires du mois de mai. Premièrement, ben je suis allée à la bibliothèque et c'est la première fois de 2022 où j'emprunte vraiment beaucoup de livres parce que... Qu'est-ce que je sais quoi mon objectif cette année? Je le répète dans chaque vidéo, lire ma bille à lire. j'essaie de diminuer mes emprunts à la bibliothèque, mais là, cette fois-ci, j'ai rempli ma carte parce que j'ai envie d'avoir du choix. L'an dernier, j'avais choisi 10 bandes dessinées, puis j'en avais lu peut-être 6 sur les 10. Puis celles que j'avais pas lues, c'était celles qui s'éloignaient le plus de mes goûts littéraires. Fait que là, je me suis dit... Je vais essayer de rester quand même un peu plus dans mes goûts littéraires, mais quand même essayer d'explorer un peu. Donc voilà, j'ai fait des beaux emprunts qui me donnent pas mal envie. J'ai encore, c'est ça, 2 semaines à attendre au moment où je tourne la vidéo avant d'entamer cette pile à lire, mais c'est ça, j'ai vraiment très très hâte. Première bande dessinée que j'ai empruntée, c'est Poulet Grain-Grain de François Samson Dunlop et Alexandre Fontaine-Rousseau. Et c'est publié chez La Mauvaise Tête. En fait, j'ai vu Maps dans sa story Instagram qu'elle lisait les prix BDLIS. Puis là, je suis allée voir c'était quoi les nominations. Puis il y en avait juste une qui me tentait. Puis c'est Francis Desharnais qui a écrit La Petite Russie et Alexandre Fontaine-Rousseau qui a illustré La Pitoune et la Poutine. C'est 2 bandes dessinées que j'avais vraiment aimées. Donc là, je me suis dit, ah, c'est vrai, je les avais aimées. Fait que j'ai réservé cette bande dessinée-là, qui est La Conquête du Cosmos, mais je ne l'ai toujours pas reçue. Et là, j'ai vu à la bibliothèque qu'il y avait une autre œuvre d'Alexandre Fontaine-Rousseau que je n'avais pas lue. Donc, je l'ai louée parce que je suis assez curieuse. On dirait que c'est un style un peu cowboy. je ne sais pas de quoi ça parle. Ici, dans le 4e de couverture, on dit... et que c'est une comédie agroalimentaire absurde qui renouvelle à sa manière le genre fécond de la littérature post-néo-terroir. Je pense que c'est des grands mots aussi pour peut-être l'œuvre. Ce serait leur genre de vouloir avoir, tu sais, que ça fasse un peu fancy, mais c'est pas si fancy. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Ça a l'air assez drôle et c'est tout petit comme bande dessinée. C'est vraiment un petit format, donc... bien hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai voulu me laisser tenter par un manga. J'en inclus toujours au moins un dans cette pile à lire du mois de mai parce que ben je trouve que ça fait changement. Mais bon, je prends souvent mes mangas à l'école où je travaille, mais là, comme je suis en congé, j'ai pas été à la bibliothèque, évidemment. Donc, j'ai opté pour cette série, là, c'est le premier tome dont j'ai vu parler, dont j'ai entendu parler un peu sur YouTube. J'ai pas vraiment entendu des commentaires super élogieux, mais dans ce qu'il y avait, c'était ce qui me tentait le plus.
Donc, c'est le mari de mon frère de Gengora Tagam. Tagami, peut-être. En tout cas. Et c'est publié chez les éditions Akata. Donc, je sais que c'est comme un couple de deux garçons qui habitent au Canada, puis il y en a un des deux qui meurt, puis celui qui survit va aller visiter le frère de son défunt mari. Et c'est ça, au Japon, puis ils vont devoir apprendre à vivre. C'est un peu ça l'histoire, apprendre à se connaître. Imagine, il va avoir un choc culturel, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça m'a intriguée. Je sais, honnêtement, c'est pas ma priorité sur la liste. Si jamais j'ai envie de faire changement du format, ben j'aurai ce petit manga-là dans la pile pour choisir. Ensuite, toujours dans des petits formats, j'ai décidé de poursuivre la série Lost Teacher de Iris Esvian. C'est publié chez les éditions Delcourt. Et Lost Teacher, c'est le tome 2 de 3. J'ai failli prendre aussi le tome 3, mais là, je voulais pas avoir dans cette pile de 10 livres deux tomes qui faisaient partie de la même série. J'ai vraiment hésité parce que j'avais envie aussi peut-être de continuer Soupinou, que je vous avais parlé dans ma vidéo, les séries que je lis. Il y avait Soupinou, il y avait les carnets de cerises aussi qui me tentaient, puis finalement, j'ai pas tant d'intérêt à continuer ces deux séries-là. Je le ferais juste parce que je veux continuer des séries, puis je trouve pas que c'est une motivation vraiment intéressante, là. Donc, le Stitcher, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer avec les personnages, donc ça, je trouvais que c'était une bonne raison de louer le livre puis de le lire. Toujours par rapport à des séries que je veux terminer, eh bien, j'ai Wendy, le maître Essard. Je sais jamais comment dire ça. Essard? Maître Essard. En tout cas, maître des arts. Il est vraiment plus épais que j'avais pensé, fait que peut-être que ça répond à la question que j'ai posée dans cette fameuse vidéo, les séries que j'ai commencées. Et je me disais, ah ben, en anglais, il y a comme 3 tomes, en français, il y a 2 tomes, puis ils sont pas publiés à la même, chez le même éditeur, fait que là, je comprends pas trop. Mais peut-être que les deux tomes sont réunis ici. C'est vraiment une série intéressante. Wendy, c'est une fille qui étudie en arts visuels. Elle a pas vraiment... Ben, elle est étudiante, donc elle a pas vraiment beaucoup de sous. Elle passe sa vie un peu dans les bars, les relations d'amour un peu compliquées. C'est ça. C'est le style un peu Garfield, là, dans le sens où... il y a c'est comme des épisodes, là, tu lis le livre, puis il y a comme une première histoire, puis là, quelques pages après, ben, c'est une nouvelle histoire, mais tu sais, il y a une évolution au cours de toute la bande dessinée, mais en général, c'est ça, il y a quand même pas nécessairement un lien évident entre la première histoire et la deuxième histoire. Et voilà, c'est publié chez La Pastèque. Walter T. Scott, c'est une personne autochtone, non-binaire, du Canada. Donc, si jamais ça vous tentait de lire une bande dessinée d'une personne autochtone qui n'est pas non plus quelque chose de comme Trace de mocassin que j'ai lu un peu plus tôt cette année, qui est comme historique, puis pour en apprendre un peu plus, juste un récit de fiction, ben je trouve que c'est une très belle option, surtout que c'est vraiment bon comme c'est. Et ensuite, une série que j'ai commencée, j'ai lu dans le désordre, j'ai lu des tomes, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai lu puis que j'ai pas lu. Fait que là, je me suis dit, je vais recommencer de la base. C'est la série des Paul de Michel Rabagliati et c'est toujours publié chez La Pastèque. Donc ça ici, c'est le premier tome de cette série, Paul à la campagne. Je pense que je l'ai déjà lu, mais peut-être que non. Bref, je vais recommencer ma lecture de cette série avec le premier tome, puis au fil des mois, des années, ben je vais la poursuivre parce que c'est vraiment un univers très confortable où replonger facilement. Puis je trouvais que ça faisait un petit peu printemps, là, la couverture et tout. Il y avait la super belle édition là, qui est comme un plus grand format avec plein de couleurs, puis je l'ai pas pris parce que je trouvais que c'était un peu trop gros comme format pour tenir, là. Surtout que ça, je lis maintenant avec un enfant dans les bras. Fait que avoir la grande bande dessinée devant moi, je trouvais que c'était pas très pratique. Fait que j'ai opté pour ce format un petit peu plus modeste. Parlant d'enfants à s'occuper, je me suis laissée inspirer par ce que je voyais à la bibliothèque. Puis j'ai vu cette bande dessinée-là qui s'appelle Mama. Petit précis de déconstruction de l'instinct maternel de Lillison. Et c'est publié chez Casterman. Je l'ai feuilleté un peu avant de l'emprunter. J'aimais le fait que c'était comme assez
c'était pas des cases, en fait, là, que ça pouvait être des pages avec un seul dessin. C'était écrit vraiment gros. Puis ça a l'air d'être toutes des blagues sur la maternité. Écoutez, je suis rendue là dans ma vie. Je sais pas si ça va me rejoindre vraiment. Peut-être que je vais pas rire. Parce que tout ce qui est mère ordinaire, on va prendre un verre de vin pour oublier le fait que nos enfants sont difficiles, ça me fait pas rire du tout. Mais peut-être, ça avait pas l'air d'être ça. Fait qu'en tout cas, avoir... c'est à suivre si je vais aimer. Ça, c'est aussi pas ma priorité dans la pile que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, j'avais envie d'une bande dessinée un peu plus... pas d'éducation, mais plus sérieuse sur quelque chose, tu sais, comme pour apprendre quelque chose. Et j'ai vu cette bande dessinée-là, puis ça m'a vraiment... ça m'a interpellée. En fait, c'est Magritte. Ceci n'est pas une biographie de Campy et Zabrus, et c'est publié chez Le Lombard. Sans être une biographie sur Magritte, c'est quand même un... C'est un... Voyons, c'est comme une fiction où la personne enquête un peu, apprend à découvrir cet artiste-là à travers ses œuvres. Et le style est un peu... je sais pas, j'aimais beaucoup les illustrations. Donc, je me suis laissée tenter. Encore là, pas une priorité, mais je la trouve assez belle. Puis, ben, ça va aussi faire de la diversité dans ma pile. Ensuite, ben, c'est une bande dessinée qui avait été recommandée par Signe Daphné l'an dernier. Et, ben, ça m'avait vraiment intriguée, puis j'ai pas pris le temps de la lire depuis. Alors, c'est Bouée de Catherine Lepage, et c'est publié chez La Pastèque. Donc, je me rappelle pas tout pourquoi qu'elle avait aimé ça. Je sais que c'était féministe, là, at some point, là, et j'aimais aussi, c'était écrit « Dérive identitaire, amour imaginaire et détour capillaire ». Je trouvais ça très accrocheur comme sous-titre. Donc, c'est pour ça que je l'ai loué pour la recommandation de Signe Daphné. Puis, quand je l'ai vue, ben, je la trouvais assez intéressante. J'aime beaucoup la palette de couleurs à l'intérieur. Ça, j'ai vraiment hâte. Ça va peut-être être ma première bande dessinée que je vais lire ce mois-ci parce que ça me parle énormément. Il y avait deux bandes dessinées qui faisaient partie de ma pile à lire. Donc, je vais vous les présenter. La première, c'est Les Sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège. C'est de Judith Peignan et Ariane Delrieux et c'est publié chez Vents d'Ouest. Chantal de la Bibliothèque Jaune qui me l'a offert à Noël dans notre swap Booktube Québec. Ben, c'est fantastique, hein, évidemment, avec la magie et tout. Je suis très intriguée. J'ai hâte de découvrir cet univers-là. Les illustrations sont magnifiques. Encore une fois. Et puis, ben, c'est ça. Ça va être facile de faire sortir ça de ma pile à lire au mois de mai. Donc, ça aussi, ça va être dans mes premières lectures. Dernière bande dessinée qui fait partie de cette pile à lire, c'est Tuer Velasquez de Philippe Girard et c'est publié chez Glénat Québec. C'est comme un thriller, un récit policier, je crois, qui parle de manipulation. Je l'ai acheté à ma petite librairie de livres usagés préférée, là, dans mon coin. Et elle était 6$, ce qui est correct là, pour une bande dessinée, vraiment, comme prix. Elle était en magnifique état. Les illustrations me parlaient aussi. C'est en noir et blanc, mais j'aime ça quand c'est un peu cartoon, comme ça. Et puis, ben, encore une fois, ça fait de la diversité dans cette pile à lire. Donc, en fait, j'en cherchais à la bibliothèque dans ce style-là, puis je me suis rappelée que je l'avais dans ma pile à lire, fait que je m'en suis tenue à lire celle-ci et pas en emprunter deux dans le même style puis pas lire celle-là. Fait que voilà. Et là, ben, quant à faire une pile à lire pour le mois de mai, je vais vous présenter mes autres lectures que j'ai envie de faire en dehors des bandes dessinées. C'est pas des gros livres, mais c'est plus pour avoir quelque chose de différent à lire. Et c'est, premièrement, j'ai ce livre, cet essai de Cynthia Marcotte qui s'appelle « La fin, comment l'apprivoiser » et c'est publié chez les éditions de La Presse. Et en fait, j'ai suivi sa formation comme c'est nutritionniste là, et j'ai vraiment aimé ça. Puis le livre venait avec la formation. Fait que je l'ai lu, voyons, je me suis inscrite à la formation l'an dernier et je l'ai fait l'an dernier. Puis, là, j'ai attendu un peu pour pouvoir relire et réintégrer des notions qu'elle avait divulguées dans cette formation-là.
Donc là, je pense que c'est un bon moment pour le lire. En plus, il y a 40 recettes à la fin. J'en avais testé quelques-unes l'an dernier et là, depuis, j'ai pas pensé à en refaire, mais il était vraiment super bon ce qu'on avait fait là-dedans. Là. D'ailleurs, dans un vlog que j'avais fait l'an dernier pour le Readathon Booktube Québec, j'avais fait genre les brownies aux framboises. Là. Puis en tout cas, il y avait des gens qui m'avaient demandé la recette, puis c'était vraiment... C'était de là-dedans que je l'avais prise, puis c'était vraiment super bon. Fait que ça va être une lecture que j'ai hâte de faire, puis ça va quand même bien se faire. C'est bien divisé dans le livre. Et comme j'ai déjà quand même... j'ai déjà fait la formation, donc je sais de quoi on parle. Je pense pas que ça va être ardu. Tu sais, j'arrive pas à intégrer plein de notions, là. Je les connais déjà un peu, fait que ça va être plus comme de la révision. Puis aussi, ben c'est ça, là, comme je ne suis plus enceinte... je peux réintégrer certains aliments que je mangeais plus. Fait que ça me parle un petit peu plus maintenant comme lecture. Ensuite, j'ai une petite pièce de théâtre que j'aimerais lire au mois de mai. C'est L'Auberge des morts subites de Félix Leclerc. Mon édition, c'est chez Stanké, mais si on s'entend que Stanké, ça ressemble plus à ça, leur livre maintenant. Je l'ai aussi acheté à cette petite boutique de livres usagés que j'aime. Je l'ai payé 2,50. En fait, c'est une pièce de théâtre qui est souvent recommandée sur notre groupe Facebook de profs d'art drame, là, parce que ça a l'air que c'est fun au secondaire, il y a beaucoup de personnages, c'est drôle. J'ai des doutes parce que j'ai l'impression que c'est un peu religieux. Je sais pas, là, tu sais, que ça se passe comme en enfer, le paradis puis l'enfer, en tout cas. Il me semble qu'il y a une notion là-dessus. Fait que j'étais curieuse, je vais la lire, puis ben, ça va peut-être m'inspirer des projets. Peut-être avoir le temps d'y penser un peu au mois de mai. Puis sinon, ben, c'est vraiment une pièce de théâtre, ça se lit vraiment bien. Fait que c'est dans le même esprit que les bandes dessinées. Et puis, dernier livre de ma pile à lire que j'aimerais lire au mois de mai, c'est Stalkers. C'est sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker. Et c'est publié chez Québec Amérique. En fait, c'est 16 nouvelles sur... ben, le stalking, j'imagine, là. Le fait de... C'est quoi stalking en français? Je ne sais pas, comme... Voyeurisme, un peu. J'ai acheté ça pendant ma passion Fanny Demel du mois de janvier. J'avais envie de laisser passer quelques semaines entre ma lecture de toute son œuvre et commencer à m'attaquer aux nouvelles de Fanny Demel parce que c'est pas mon genre préféré, puis elle adore écrire des nouvelles. Donc, je me suis dit... que j'allais attendre un peu, parce que c'est ça, ça me parlait pas à ce moment-là. Puis, encore une fois, c'est des formes courtes, comme la bande dessinée. Fait que je pense que ça va vraiment bien aller avec mon mois de mai. Puis c'est ça, la seule grosse lecture que j'ai, c'est l'essai sur la fin. Puis comme j'ai dit, je connais déjà de quoi ça va parler, fait que ça devrait pas être trop pire. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos plans lecture pour le mois de mai. Est-ce que vous avez l'intention vous aussi de lire quelques bandes dessinées pour le Festival de la BD de Montréal ou juste pour faire spécial au mois de mai? Moi, c'est rendu que c'est plus comme une tradition de moi avec moi-même, là, parce que... voilà, j'en profite pas vraiment du Festival de la BD de Montréal. C'est plus parce que c'est une occasion d'en lire davantage. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!